son plus bas niveau depuis près de 4 mois. Voilà la situation de l'euro ce mercredi matin, la monnaie unique qui est au plus mal. Aujourd'hui, les marchés européens continuent bien évidemment d'être inquiétés par la situation chypriote. Les banques de Chypre prévoyaient de rouvrir leurs portes aujourd'hui. Il faudra finalement attendre une journée supplémentaire pour que les Chypriotes puissent enfin avoir accès à leurs économies. Grosse tension du côté des cambistes qui ne savent pas du tout quelles seront les réactions des marchés lors de cette réouverture. Et puis la situation italienne qui inquiète également. Il ne reste plus que 2 jours à Pierluigi Bersani pour enfin former une coalition. Une tâche qui semble extrêmement compliquée. Dans ses déclarations, on a vraiment l'impression que le principal intéressé rend petit à petit les armes. Bref, une situation vraiment difficile pour l'économie européenne et donc pour sa devise. L'euro qui est en net recul, il s'est changé ce matin contre 1,2793 $, du jamais vu depuis le mois de novembre 2012.